Welcome, Rachel Geiger, to UVW Gasa. We have a day of celebration and learning planned here. And before we have lunch, before we share our stories, we wanted to record this interview for the UVW members that can't make it today, either because they're sleeping off night shifts, or they're working, or perhaps today is the only day off and they're looking after loved ones. So thank you for being with us today. Just a little bit about UVW. So UVW and United Voices of the World represents low-paid migrant and precarious workers, including low-paid professions such as architects, artists, construction and legal sector workers. A great deal of our members, the ones that work in hospitality, look after the elderly, clean and guard hospitals, luxury apartments, schools, government buildings, they're mostly migrant workers. So when we look at you, when we see your story, we see us. We see a story of a worker who has refuses to be invisible. So can we start firstly with your journey of migration? Why did you move to France from the Ivory Coast? That's the first question. And also, how does your life compare between the Ivory Coast and your life in France as a migrant worker? Ok, mais merci. Merci déjà pour l'invitation. Déjà, je suis venue en France quand j'avais 26 ans. J'ai mon oncle qui était à Paris, qui avait sa femme qui était une coiffeuse. Maintenant, vous savez, mon grand-père, lui, il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Donc, quand il est rentré à Abidjan, en Côte d'Ivoire, on était tout petit et voilà, il parlait beaucoup de la France. Donc, je pense que mon grand-père l'a beaucoup aussi fait pour la France. Et moi, quand mon oncle m'a dit que je devais venir en France, bah, j'étais contente. J'étais contente de voir le pays où mon grand-père a combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà. Donc, ça m'a vraiment donné la force. Et puis, quand tu as aussi parlé à l'époque, l'Europe, ça, voilà, ça te donne l'envie d'aller. Parce que quand on est là-bas, on te parle de l'Europe, tu penses, on te dit que c'est le paradis, c'est ça. Donc, ça te donne vraiment l'envie de venir voir, quoi. Donc, j'ai fait la demande de mon visa, j'ai eu le visa et c'est comme ça que je suis arrivé en France. Donc, je suis arrivé en France, je n'avais pas les papiers. Voilà, je n'avais pas les papiers, mais j'avais peur d'aller travailler au salon de coiffure parce que je voyais la police partout. Donc, les gens me disaient, quand tu n'as pas de papier, tu travailles, on te contrôle derrière, on peut te rapatrier. Donc, je faisais la coiffure dans les domiciles des gens, je partais dans les domiciles, dans les appartements des gens pour pouvoir faire les cheveux. Mais avant d'avoir les papiers, comme la coiffure, ça donnait plus trop d'argent, je travaillais dans femme de ménage, je faisais garde d'enfants, j'étais caissière, je travaillais un peu partout. Voilà. Et après, quand j'ai été régularisée, j'ai refait encore garde d'enfants, j'ai refait encore caissière. Mais un mois, parce que comme j'avais mes enfants, j'avais plus le temps de m'occuper de mes enfants. J'ai une amie qui m'a parlé du métier de femme de chambre à l'hôtel, parce qu'elle est travaillée à l'hôtel. Et elle m'a dit, est-ce que tu as envie d'être femme de chambre? Et moi, je ne sais pas ce que c'est que femme de chambre. Et je lui ai demandé, c'est quoi femme de chambre? Elle m'a dit, non, c'est les femmes qui font les lits, le travail dans les hôtels. Et moi, je suis allée voir, j'ai fait 3 jours de formation avec elle. Et j'ai vu le temps. Pourquoi j'ai accepté? Parce que je commençais à 9h. J'avais le temps de déposer mon fils à 7h à l'école, aller au travail, puis je finissais à 17h. J'avais le temps de le récupérer et puis rester avec lui. Donc après, quand j'ai été à l'hôtel, j'ai travaillé, j'ai fait 1 mois, j'ai eu mon contrat. Et un jour, on était là-bas sur le syndicat, la CGT Propreté. C'est le syndicat de la sous-traitance. Parce que le groupe Accor qui ne s'est pas fait, qui sous-traite son hôtel. Donc, il a pris la sous-traitance qui était, à l'époque, c'était Synestes. Et la CGT qui est arrivée pour dire, on est venu vous voir pour que vous vous syndiquez. Et moi, tout de suite, je voulais savoir ce que c'était le syndicat déjà, qu'est-ce que ça représente, le syndicat. Et j'ai posé la question, j'ai dit, mais c'est quoi, qu'est-ce que vous faites exactement, étant syndicat, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Parce que sachez que ce métier, c'est tellement difficile. On fait 30 chambres, 40 chambres, 32 chambres par jour. Et puis à la fin du mois, on a 700, 800 euros. Ce n'est pas bien payé. Et le monsieur, il a dit, le syndicat, il a dit, mais par contre, ça, on peut vous défendre derrière. Pourquoi on vous paye les heures supplémentaires?
Et moi, tout de suite, ça m'intéressait. Et voilà, et je me suis syndiquée pour que je sois protégée. Donc, ce que moi, j'ai appris du syndicat, c'est que le syndicat, c'est une bonne chose. Et comme je peux dire, heureusement qu'il y a des bons, parce qu'il y a des syndicats aussi qui ne sont pas bons. Il y a des syndicats corrompus. Les syndicats, parce que la majorité de ces métiers difficiles, la majorité, c'est les immigrés qui font ça. Tu vas voir femme de chambre dans le bâtiment, agent de sécurité. C'est les immigrés qui font ça. Et il y a des syndicats qui profitent du métier de ces immigrés pour pouvoir exploiter de l'argent au patron, pour pouvoir se mettre l'argent dans les poches. Et nous, on a vécu ça avec la CGT Propreté. Parce qu'ils savent qu'ils disaient au patron, non, moi, c'est mon hôtel. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas la grève ici, je peux gérer. Et derrière, le patron prenait l'argent pour lui donner. Donc, c'est ça, souvent, je leur dis, nous, les immigrés qui travaillons, on n'est pas leur tomate à vendre sur le marché. Parce que c'est pour ça que ça finit par l'exploitation de l'immigré dans le travail, à cause de ces syndicats corrompus. So you've shared with us a little bit about your journey into the union, a little bit about your working conditions. I just wanted to focus in on the strike itself. You were on strike for 24 months, Rachel. First of all, were you scared? Was fear, were there many obstacles for you to go on strike? And secondly, did you think it would last this long? Mais je pense que déjà, il faut dire, déjà, quand tu te syndiques et que tu es un bon syndicat, tu n'as pas peur. Pourquoi? Parce que quand tu es syndiqué, tu es protégé. Ils te donnent tes droits, tu es protégé. Donc, nous, à l'époque, quand nous on faisait la grève avec mes collègues, on n'avait pas peur. Mais le syndicat nous avait dit la grève allait durer. Ça peut durer 1 mois, comme ça peut faire 4 mois. Mais jusqu'en 22 mois, on ne s'attendait pas à ça du tout. Mais on n'avait pas peur parce que derrière, on avait un bon syndicat. Et moi, ce que je vais dire aussi aux gens, surtout les immigrés qui viennent travailler, de chercher surtout des bons syndicats. Parce que quand il y a un bon syndicat, tu as tes droits et tu es protégé. Ils peuvent suivre ton salaire, ils peuvent aller en France, hein, ils suivent ton salaire, même ils peuvent envoyer l'employeur au prud'homme, au tribunal, pour pouvoir réclamer tes droits. Et même dit même au patron de pouvoir te régulariser. Parce qu'il sait que tu n'as pas les papiers et puis tu travailles sans papiers, il t'exploite. Et le syndicat peut se battre pour ça, pour que tu sois régularisé. Voilà. Et nous, c'est ce qu'on a fait à l'hôtel, hein. Pas pour les papiers, mais pour la lutte, pour qu'on nous paye parce qu'on était tellement méprisés, mal payés, humiliés, rabaissés, et qu'on était obligés de laisser la CGT Propreté et aller chercher un bon syndicat. Et comme j'ai dit, on a trouvé la CGTHPE, qui nous ont soutenus jusqu'à cette victoire. Et franchement, c'était dur. La lutte, ce n'est pas facile. La lutte, c'est vraiment difficile. Voilà, c'est pour ça que beaucoup d'hommes ne veulent pas lutter. Mais au contraire, il faut lutter parce que le patron, il a peur de ça. Au contraire, toi, tu ne dois pas avoir peur. C'est le patron, quand tu commences la grève, il a peur de toi. Mais quand tu ne fais pas la grève, il fait tout ce qu'il a envie de faire. Mais quand tu commences à faire la grève, et que tu gagnes, ils te respectent. C'est un lucha, non un victoria. Bien. 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 UVW is an anti-racist union. We fight every day against everyday racism and workplace abuses, but we also fight institutional discrimination, especially the practice of outsourcing that we see with our members and black, brown and migrant workers. They're on lower or inferior terms and conditions than their in-housed co-workers or counterparts. So our fight against outsourcing is on the picket line and in the courts. And you've made outsourcing one of your key battles. We know this. Can you tell us how you're fighting this discriminatory and exploitative practice, one, and what advice would you give to cleaners and other outsourced workers? Mais je pense que la sous-traitance, c'est un problème, c'est pas qu'en France, mais dans le monde. Parce que la sous-traitance, je pense que la sous-traitance est faite pour exploiter. Parce que la sous-traitance, c'est un système qu'ils ont créé pour pouvoir exploiter la majorité des immigrés. Voilà, parce que moi, je dis toujours que faut que les salariés sachent, sans eux, tout s'arrête. Sans eux, tout s'arrête.
En France, quand les éboueurs ont arrêté d'enlever les poubelles, Paris sentait. Mais ils sont allés chercher d'autres salariés pour venir ramasser. Mais si ces salariés avaient dit que non, nous, on ne voulait pas, mais les rats commençaient à rentrer dans les maisons, ils ont trouvé une solution, ils ont négocié, ils ont trouvé une solution, mais ça ne suffisait pas. Parce que c'était sur la réforme de retraite. Tout s'arrête parce qu'il faut que les gens sachent l'importance. S'il n'y a pas de femmes de chambre, il n'y a pas de touristes. Les hôtels sont fermés. Qui va nettoyer les hôtels? Donc, je pense que les salariés, ils ont peur, ils se négligent. Parce que si je pense qu'ils prennent leur cause en main pour dire, mais sans moi, il n'y a pas de clients, la sous-traitance va stopper. Parce que quand les bons syndicats, le syndicat qui nous a soutenus, nous, à l'époque de notre grève, ils ont quand même eu 13 hôtels qui ont été internalisés directement. C'est fini avec la sous-traitance. 13 hôtels, 18 hôtels, pardon, qui est fini carrément avec la sous-traitance. Donc, quand un syndicat te dit, et dit normalement un salarié, le syndicat ne doit pas aller chez un salarié pour dire, mets-toi en grève. Le salarié lui-même, il doit avoir ses conditions pour dire, il faut que je cherche un syndicat pour me syndiquer, on va s'organiser pour finir la sous-traitance. Donc nous-mêmes, étant salariés, on peut mettre fin à la sous-traitance. Nous-mêmes. On peut aller chez des syndicats pour dire, c'est bon, on n'en peut plus. Et le jour, ces salariés vont comprendre ça, mais je pense que les patrons auront peur. Peut-être qu'il ne va même plus avoir de sous-traitance. Ou bien même s'il y a la sous-traitance, ils vont faire attention, mieux payer les gens, changer leurs conditions de travail. Donc ça dépend des salariés. Mais la peur, faudrait pas qu'ils aient peur. Si la peur sort carrément de leur vie, bien, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de choses. Et nous, c'est ce qu'on a fait. 22 mois, on a eu 99% de toute notre revendication. De 800 euros, 700 euros, 1000 euros, aujourd'hui, à l'hôtel Ibis Les Batignolles, c'est de 1600, 1800 à 2000 euros de salaire. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu peur, on a lutté avec les bons syndicats et puis nous avons gagné. So, Rachel, you've talked about a good union, a lot, a good union, and workers need to get unionized, and workers can take action and change their situation themselves. And UVW is a community union. It's a union that for some members is quite transformative. Language is never a barrier. We help each other, we learn together, we cook, we eat together, and we fight together. And I guess this question is really about how the union has changed your life and how becoming a union member has impacted your political ideas or views, because we're slowly moving into your journey into MP. Mais moi, je pense que ce qui m'a beaucoup changé pour que je sois politique, quand on a gagné, c'est-à-dire quand on faisait la grève déjà, les députés de la France Insoumise, qui est le parti de Jean-Luc Mélenchon, venaient sur le piquet des grèves. Parce que c'était des députés, des élus, qui parlaient de notre grève à l'Assemblée nationale. Donc, moi, j'ai compris que je me suis dit... Après la grève, je vais m'adhérer à la France Insoumise et puis aller sur les piquets des grèves, puisqu'ils vont sur les piquets des grèves, pour voir comment est-ce que, pour donner, c'est-à-dire pour encourager ceux qui font la grève pour pouvoir gagner. Donc moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, il faut se syndiquer. Parce que depuis que j'ai été élue, quand je fais la tournée des piquets des grèves, j'ai été à Civo, où il y avait la sous-traitance, mais c'était des femmes blanches. Donc, c'est pour dire que la sous-traitance, c'est vrai, la majorité, c'est des immigrés, mais il y a des blanches aussi qui souffrent de ça. Il y a des blanches aussi qui souffrent, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas se syndiquer. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur des syndicats qui ne font pas leur travail. Ils ont peur de ça. Parce que si le syndicat est vraiment honnête, qui fait son travail, beaucoup de personnes vont se syndiquer. Donc, je pense qu'ensemble... on peut lutter contre ça, et maintenant que je suis élue, mais mon combat continue toujours. Can you tell us a little bit about what's happening in France now that the law postponing the retirement age to 65 has been passed? There was a mass movement on the streets of Paris in the spring. Is it all over now? What's next for workers fighting against these injustices? Mais cette réforme de retraite a beaucoup fait du bruit,
Parce que le gouvernement veut faire travailler les gens, comme j'ai dit, les gens qui tiennent la France debout jusqu'en 64 ans. C'est impossible. Parce qu'ils ne pensent pas à la pénibilité des gens. Il y a des éboueurs qui ne peuvent pas travailler jusqu'en 64 ans. Il y a des gens qui travaillent dans le bâtiment et qui ne peuvent pas travailler jusqu'en 64 ans. Il y a plein de métiers qui sont vraiment pénibles. Et cette loi n'a pas été votée, ça a été passé de force. Parce qu'en Assemblée nationale, on nous empêchait de voter la loi. Ils sont passés de force avec le 49-3. Donc ça n'a jamais été voté, mais les gens se sont franchement mobilisés, ils se sont battus, ils se sont mobilisés parce qu'ils ne voulaient pas travailler jusqu'à 64 ans. Mais le gouvernement, qui comprend rien du tout, est passé de force pour faire travailler les gens de force à 64 ans. Donc là, pour l'instant, le mouvement s'est arrêté, mais on va reprendre parce que c'est les vacances. On va aller respirer, on va revenir, parce que les gens ne vont pas accepter de travailler jusqu'à 64 ans. On s'organise, surtout les syndicats de leur côté, c'est eux qui s'organisent, parce que maintenant je suis élu député de la nation. Donc on se bat aux côtés de ces salariés, on dénonce, et c'est là où j'ai pris la parole à l'hémicycle pour dire le mot fort qui a vraiment fait le tour du monde pour dire les métiers pénibles. Qui a déjà soulevé un sac de ciment qui a 62 kg? C'est lourd. Voilà. Qui a les femmes qui s'occupent des personnes âgées. Les personnes âgées, il faut les soulever, ça te donne mal au dos. Tu as beaucoup de maladies dans ces métiers pénibles quand on te demande de travailler jusqu'à 64 ans. C'est impossible. Donc, ça a été un mouvement très, 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 très bien et qui a marché parce qu'on était des millions dans la rue. Et le gouvernement a ramené sa police pour pouvoir frapper les gens, repousser les gens, d'autres qui ont eu l'œil cassé, d'autres. Il y avait tellement de choses, mais on a été vraiment, vraiment rude sur cette lutte-là. Et sachez aussi que les Français, c'est des révolutionnaires, c'est des gens qui aiment la lutte, qui ne se laissent pas faire. Et c'est ce que j'adore chez eux, parce que coûte la lutte, elle paye. Donc voilà, on va pas laisser, on va pas baisser les bras parce que avec ces capitalistes, mais c'est la lutte qui peut les faire reculer. Sans ça, ils pourront pas reculer. Et nous, on doit comprendre que il faut qu'on se mette ensemble. Et comme je dis, que tu sois vert, jaune, rouge, bleu, on doit être ensemble face à ces capitalistes pour les faire reculer. Et c'est la lutte qui peut les faire reculer. Camarade Rachel, you are a clear example of how the working class can have a say in their own lives, and also own parliament. I think you've said this. And so we just wanted to end this podcast, the first ever podcast for UVW, with any final words that you have for our members, the low paid, precarious, and migrant membership of United Voices of the World. So I'll leave you with the last words. Et déjà, je remercie le syndicat qui est là déjà pour ces travailleurs mal payés, qui souffrent, qui sont là à leur côté pour lutter, pour leur donner leur dignité, surtout parce que la maltraitance, l'humiliation, ça fait, c'est la perte de dignité. Et je les remercie beaucoup d'être à leur côté. Et ce que je veux dire, il faut que les salariés qui sont maltraités sachent que c'est important de se syndiquer, surtout. De se syndiquer et de se mettre en lutte, surtout de ne pas avoir peur, de se mettre en lutte. Et comme j'ai dit, j'avais dit à l'Assemblée nationale, le gouvernement qui dit aux grandes entreprises, parce que nous on demande aux grandes entreprises d'aider les petites entreprises pour mieux vivre et pour mieux payer les autres salariés, qui demande à ces grandes entreprises qui n'ont pas d'argent pour augmenter leur salaire. Parce qu'on demande qu'ils augmentent le salaire. Parce que là, avec l'inflation qui a tellement monté, c'est à 10% et que les gens ne peuvent plus finir les fins du mois parce que tout augmente, mais les salaires n'augmentent pas. Donc, nous, on a demandé au gouvernement d'augmenter le salaire de ses salariés minimum à 1 500 euros pour pouvoir mieux vivre. Et ils ont refusé. Donc, moi, à l'hémicycle, je leur ai demandé, mais vous n'aimez pas la grève, vous n'aimez pas la lutte. Et vous dites qu'il n'y a pas d'argent pour augmenter, mais quand on fait la grève, l'argent, ça sort. Ça sort d'où? Si ils n'ont pas d'argent, si les entreprises, le gouvernement dit les entreprises n'ont pas d'argent, et qu'on se met en grève, l'argent, ça sort, c'est qu'il y a l'argent quelque part. Donc moi, j'appelle ces salariés de se mettre en grève.
Donc, il ne faut pas qu'ils sachent, faut pas qu'ils se disent qu'il n'y a pas d'argent. Il y a l'argent. Et pour pouvoir avoir cet argent, c'est la grève, c'est la lutte. Il faut qu'ils luttent. Il ne faut pas qu'ils aient peur. Il faut qu'ils se syndiquent. Parce que quand tu viens quand même, tu quittes dans ton pays, tu viens dans le pays de quelqu'un, que tu as ses règles. Il y a des gens qui sont honnêtes, qui luttent, qui se battent. Mais il faut qu'ils comprennent ça pour qu'ils aient s'intégrer avec eux, pour pouvoir lutter avec eux, pour pouvoir avoir leur dignité. Donc j'appelle tous les salariés de l'Angleterre qui sont mal payés, sous-traités, de venir se syndiquer à IWW pour pouvoir avoir leurs droits. C'est important, pour pouvoir avoir leurs droits. Il ne faut pas qu'ils restent dans leurs quatre murs, il ne faut pas qu'ils restent chez eux, parce qu'ils vont souffrir, ils ne vont jamais avoir, pas, ils vont pas avoir leur dignité, ils ne vont pas avoir leur argent qu'il faut pour pouvoir vivre avec leurs enfants. Il y a un syndicat qui est là. Faut qu'ils viennent se syndiquer et ensemble avec les syndicats, ils vont lutter pour pouvoir avoir leur dignité. Moi, c'est le message que je lance et partout où je passe, je dis de ne pas avoir peur. Si on a un bon syndicat, il faut avoir confiance au syndicat et puis avoir gain de cause parce que la lutte est paye.